Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Bonjour Jean-François. Salut Mario. Deuxième match pré-saison du Canadien ce soir, rivalité Montréal-Ottawa. Y a-t-il de la rivalité en match pré-saison? Mmh, Je pense pas. Il n'y a pas une grosse rivalité de toute façon à la base avec les sénateurs, ah, ça pourrait le devenir. P'tit peu, p'tit peu. Ça pourrait le devenir si, on, si les sénateurs deviennent ce qu'ils sont supposés devenir, et que le Canadien les Canadiens les suivent à deux trois années d'écart, avec un paquet de jeunes qui vont arriver à maturité dans quelques années, il pourrait y avoir une très très belle rivalité. Euh, mais je excité ce soir. je j'ai un, ah, un petit oui. peu plus de papillons. Est-ce qu'il y a du plus, du de, plus de réguliers du Canadien qui jouent? Ben voilà, c'est le retour de Cole Caulfield. On se souviendra, Cole Caulfield, le, la dernière fois qu'on l'a vu, c'est quoi, en février l'année passée, quelque chose comme de ça? Janvier, là. février, ouais. Oui, après sa blessure, fait que j'ai hâte de le, de, de le revoir. Là. On va se dire les vraies affaires, c'est le joueur le plus excitant du Canadien de Montréal. Là. On est tous d'accord là-dessus. Il ouais. y en a d'autres bons, il y en a d'autres qu'on aime, il y en a d'autres efficaces. Mais Cole Caulfield, c'est spécial, c'est une, une dégaine extraordinaire. Donc Cole fait son retour ce soir, flanqué de Suzuki et de Monahan. Donc là, on a un vrai trio de Ligue nationale, cette semaine contre les Devils euh, on faisait pas le poids contre les Jack Hughes les Toffoli on l'a pas, pas vu de ça, depuis la fin janvier, fin tu sais, janvier euh, 27 janvier le Cole Caulfield sera opéré donc on annonçait le 27 janvier qui était sur le point d'être opéré 21 janvier saison terminée Cole Caulfield bon, fait fait que que depuis le 21 janvier qu'on l'a pas vu Ouais, mais même lui, il doit avoir hâte de jouer parce que, tu sais, t'as beau te faire dire cette opération-là, il n'y a pas de danger pour ton épaule, tu vas redevenir euh, le sniper que étais avant, tout ça. Je, je veux dire, euh, c'est son outil de travail, là. Cold Caulfield, on y enlève son lancer. Euh, Hein? Non. Topi, moi, c'est ça, non. là. Il y en a besoin de se de, de lancer, là. Fait que bref, donc, Cole Suzuki, Monard. Après ça, deuxième trio, on a Kirby Duck aussi qui revient. Fait que là, quand on parle de notre noyau, là, il est tout là ce soir, notre noyau. Euh, puis j'aime bien le trio qui va pivoter avec Slavkowski. On lui donne une deuxième chance sur, sur un, un bon trio avec de, de, de bons joueurs. Et euh, Raphaël Harvey-Pinard de l'autre côté. Fait que moi, j'aime bien ce trio-là. On a du physique, on a du travail, on a de la hargne. Fait que j'ai hâte de les voir aussi ce soir. Ensuite de ça, il y a Anderson, mais ce n'est pas Anderson, là, euh, c'est pas Josh Anderson, c'est une, une recrue que, que je ne connais pas, avec Meshar et Eneman. Eneman, on le sait, on lui avait donné plusieurs auditions justement avec Cole, Caulfield et Suzuki lors des matchs blanc contre rouge, qui est à surveiller. Et là où je suis un peu déçu, c'est le trio de Burke, Gignac et Davidson. Bourque et Gignac, là, je dirais, euh, on sait qu'ils il ne vont pas percer l'alignement du Canadien, mais Davidson, c'est celui qui a fait un tour de chapeau lors des matchs blanc contre rouge, qui a été excellent pour Seattle dans la Ligue de l'Ouest l'année passée. J'aurais aimé ça le voir sur un, sur un trio un petit peu plus euh, offensif pour voir euh, qu'est-ce qu'il est capable de donner. Ensuite de ça, à ben, la défensive, Madison Savard. Donc là, c'est nos, euh, nos vrais de vrais qui sont là. Kovacevic et Trudeau. Euh, qui a fait énormément jaser depuis le début du camp. Euh, François Hull, lors des matchs euh, du, des tournois des recrues, a dit que c'était le général à l'attaque, c'était lui qui menait le show. Fait on a hâte de le voir dans un match de Ligue nationale. Et euh, Norlinder et euh, Kemper de l'autre côté, et Allen et Primo seront les gardiens ce soir. Fait que là, je veux dire, on, on s'approche tranquillement de ce, que, de, de ce que le Canadien va regarder, en, va ressembler cette année, en plus de pouvoir observer quelques, quelques jeunes dans la formation de ce soir. Bon ça, reste, euh... bon, ça reste des matchs euh, pré-saison, mais euh, on... C est, c est, on a hâte de voir des étincelles, on a hâte de voir des signaux que peut-être le magazine The Athletic s'est trompé en plaçant le Canadien 31e sur 32 cette année. là. Ouais, mais tu sais quoi? Un, on verra pas. Euh, les joueurs, les vétérans savent à quel point c'est là une saison de hockey. Il y a des blessures et tout. tout c'est pour tout le monde qui va ouvrir la machine dans un match hors concours contre les sénateurs d'Ottawa. Pour eux autres, c'est une façon, surtout les vétérans, là, quand tu es assuré de ta place, c'est de la remise en forme. De retrouver son, ton synchronisme, ça compte pas. Euh, ça compte pas encore. Je suis pas d'accord avec athlétiques 31 sur 32. Je trouve ça sévère. Il y a des équipes qui sont vraiment en reconstruction. Reste que quand on a vu le match d'avant-hier... C'est vrai qu'on est jeune à la défensive. T'sais, à l'échange d'Edmondson, moi, je suis d'accord avec cet échange-là dans le sens ben, il ne jouera que qu il pas de l'année, la Il ne jouera peut-être pas de l'année, là. Ouais. Mais je Il s'est blessé il prenait... au premier match pré-saison. C'est une main, main fracturée. C'est ben, ouais. 4 à 6 semaines, là, pour okay, l'instant, pour, okay. pour, euh, pour Joel Edmondson. Mais il, il est aux prises avec un paquet de blessures depuis des années, comme on le sait, là. Mais le, le point, c'est qu'il prenait la place d'un jeune. Puis, dans des années de reconstruction, il vaut mieux faire jouer les jeunes. Reste que si, quand tu regardes la défensive, à part Madison et Savard, après ça, c'est mince, en t -t -t là. Puis je dis pas que c'est pas des gars de talent. C'est juste que c'est des gars qui ont 50, 60, 70 matchs dans la Ligue nationale de hockey, qui ont 20, 21, 22 ans. Fait c'est vrai que quand tu regardes ça froidement, tu fais, eh, Colin, est-ce qu'on peut vraiment bâtir J'aime bien Harris. Chekai, est-ce qu'il va être aussi bon que l'année passée Est-ce qu'il va nous impressionner comme l'année passée Kovacevic, qui est sorti d'une boîte de Crack Jack. Il n'y a personne qui a vu venir ça lorsque le Canadien est allé chercher Il y a Baron qui a l'air de décevoir un peu. Quand il est arrivé, on était tout feu, tout flamme. C'est comme s'il n'y a plus de progression tant que ça. Il est comme, ça se peut-tu qu'il plafonne mais en fait, euh, il a l'air ils ne l'ont pas refilé pour rien, l'avalanche, là. C'est pas pour lui. C'est pas, pas pour rien que c'est lui qui a envoyé contre les Connens. S'il avait été euh, extraordinaire et prometteur, il l'aurait gardé. Il y a des lacudes. Il reste qu'il y a un flair offensif, euh, sur l'avantage numérique. À mon avis, le premier avantage devrait aller euh, à Madison, puis le deuxième à Barron. Parce qu'il y, y a toute une dégaine, puis un flair offensif qui, qui s'achète pas. Euh, mais il ne progresse pas comme, comme, on, comme, je, comme les gens Croyait, parce que tu te souviens, toi, que c'était un premier choix au repêchage. Un choix de première ronde, pas un premier choix. C'était un gars qui avait fait Team Canada Junior, ouais. qui avait été excellent. Fait qu'on avait de grandes attentes pour lui. Puis là, pour l'instant, il semble pas les combler. Puis tu sais, au hockey, il y a des joueurs qui sont là pour faire la différence. Puis il y a plusieurs joueurs qui sont... Euh, si tu m'en donnes pas, coûte-moi en pas. T'sais, puis c'est un peu ça, Justin Barron, présentement. Si t'es cinquième, sixième défenseur de l'équipe... On ne veut pas que ce soit une aventure quand on embarque sur la patinoire. Fait que ouais. lui, effectivement. Mais tu sais, ça fait beaucoup de points d'interrogation, beaucoup de gars qui vont être à leur deuxième année, on ne sait pas comment ils vont livrer. Fait que je ne dis pas 31 sur 32, mais je ne sais pas, 24, 25, 22. Moi aussi, j'ai hâte de voir euh, un peu plus d'étincelles, puis un petit. c'est euh, ça, une équipe un peu mieux. Euh, euh, aligné là, pour cette année. Ce serait le fun de, de, de compétitionner pour une place mmh. en série jusqu'à plus tard qu'au fêtes. C'est plate en maudit quand le Canadien est éliminé aux fêtes. Mmh. Ben, on est habitué à ça, mais oui, c'est plate. Euh, hey, parlons de NFL, mais de sujet, quasiment de sujet de société. Parce mmh. que là, les Redskins ont changé de nom. Redskins, évidemment, les peaux rouges, connotation autochtone, ont changé pour les Commanders. Mais là, il ouais. y a des chefs autochtones qui voudraient revenir en ouais. arrière, qui voyaient ça comme un honneur. Exactement. Mais là, c'est nébuleux, cette histoire-là. J'ai lu plusieurs articles parce qu'il euh, y en a qui disent que c'est vrai, il y en a qui disent que c'est pas vrai, il y en a qui disent qu'il y a une pétition de 100 000 noms, il y en a qui disent que c'est pas vrai. Il euh, y, y aurait une poursuite qui aurait été intentée. Bref, il euh, y a un fond dans tout ça c'est qu'il y a une des Premières Nations qui a dit, nous, on était fiers. Euh, parce que c'est le logo des Redskins, souviens-toi, l'homme qui était dessus était avec leur les plumes blanche. C'était Chief White White Calf. Okay, c'est un vrai. Il a existé pour vrai. Et eux autres, étaient fiers quand ils voyaient le logo. Et puis, surtout que le, le, le football, ça ressemble à un champ de bataille. T'sais. Le guerrier, tout ça, qui mène ses troupes. Donc, eux autres voudraient finalement qu'on revienne en arrière. Mais là, non, moi, mais je me le dis, dis je ne peux pas croire qu'on a changé de nom sans les consulter. Qu'on a changé de nom juste parce qu'on s'est dit ça n'a plus de bon sens d'appeler ça. Mais les attention, c'est parce, ben, parce que peut-être ce n'est pas eux, justement. T'as peut-être un exemple où c'est pas les premiers concernés qui ont demandé ça, c'est un certain mouvement woke, là. Exact. Tu sais, ben, qui fait la demande en on... général, tout ça, mais c'est... On, on voit ça, là. On dirait que c'est ça. On dirait qu'il y a du monde, des grands penseurs qui ont fait, « Hey, ça n'a pas de sens, on va, on va demander un changement de nom, on peut plus appeler ça les Redskins. » Puis là, ben, tout le monde s'est mis de la partie en disant, « Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. » Mais on dirait qu'on n'est jamais allé demander euh, au groupe Intéressé par l'histoire, celui qui a donné le. Bien, évidemment, il n'existe plus, là, ce homme-là. Non, lui, ce est décédé. -là, là, mais mais, mais c'est quand même, tu fais. Hey, des fois, je te dis qu'on on met mmh. la charrue en avant des bœufs, mmh. On aurait pu attendre que quelqu'un okay. dise Hey, nous, on est insultés, on change. Ouais. Vois? Et euh, en terminant, il y a Aaron Rodgers qui a changé les plans des Jets de New York en se blessant après quatre jeux. Et là, depuis ce temps-là, il cherche un corps arrière. Il y en a un qui s'est offert. Ouais, Colin Kaepernick, qui, euh, qui est évidemment euh, au chômage depuis des années, parce qu'on se souviendra, il mettait son genou à terre euh, pour la cause des Noirs et tout ça. Puis là, lui, il dit Moi euh, je suis encore euh, disponible. Il, il prétend s'entraîner mais... tout le temps, tout le temps pour se garder en ouais. forme d'un joueur de la NFL. Oui, puis tu sais, là, je veux dire Il avait raison là, pour la cause des Noirs, je pense que ça, on a avancé, alors pourquoi pas lui redonner une chance, surtout que les Jets s'en vont nulle part. Euh, bon. Qu ça va, ça ouais. va se faire ou ça va pas se faire? Il est est, devenu, est, euh, est on il, en jase en il tout Il est devenu une distraction là, du point de vue des relations publiques, malheureusement pour lui. Hey, merci. À demain. Salut.